Salut la Pokéfamily, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va s'ouvrir quelques boosters issus de ce super bundle que j'ai retrouvé il n'y a pas très longtemps. Et je vous propose qu'on fasse une ouverture en deux parties. Trois boosters aujourd'hui, trois boosters demain ou après-demain, pour voir ce qu'il contient. Et on sait que dans cette série, souvent, on est gâté. Hop, on va mettre ça là. Au milieu des petits ectoplasmas et on va ouvrir ce petit bundle. Voilà, je vais ouvrir ça proprement. Alors, que contient ce bundle? Il contient 6 boosters. Hop, on a de la chance, on a toutes les illustrations plus deux doublés. Hop, on va prendre ces deux-là et bon, allez, le Malvalam, et on va garder cela pour la prochaine fois. Hop. Allez, 3 boosters. Est-ce qu'on va avoir du hit? On espère. Allez, c'est parti, let's go. Oh, il reste quelques cartes dans cette série qu'on n'a pas eues. Alors, bien sûr, dans les mini shiny, enfin dans les petites shiny, il y en a un certain nombre, même si on en a quand même obtenu bah, pas mal hein, jusqu'à présent. Et puis, dans les grandes shiny, il manque bah, le Mew. Si je me trompe pas, c'est tout. Et puis voilà. Et puis après le Mew alternatif, bien sûr, qui nous manque. Et puis une autre carte dans les alts, mais je sais plus laquelle c'est. Alors, qu'est-ce qu'on va avoir pour ce premier booster? Pas de petite shiny, pas de grande shiny. Et ah oui, c'est moi qui me suis un peu trompé. Voilà. Hop. Et voilà, bah, premier booster sans rien. Voilà, c'était le booster pour s'échauffer. Rien du tout, à part une recherche professorale. Deuxième booster. Hop. C'est parti pour ce deuxième booster. Allez. Généralement, on est plutôt heureux sur cette série. Donc, on va voir si dans ce bundle. On a aussi de la chance. Tarsal, Hyperball, Famignolle, une colline claire de lune, pas de petite shiny, pas de grande shiny, et on aura une ex de Gardevoir. Donc on a déjà. Sympa. Mais c'est pas ce qu'on cherche. On aimerait bien de nouvelles cartes. Petite shiny ou. Alternative. Hop, voilà pour ce deuxième booster. Et troisième et dernier booster de cette ouverture. On va voir ce que nous réserve ce Malvalam. Alors, Malvalam, souvent, on a eu des belles cartes. Hein. On a eu des belles cartes. Alors, est-ce que ça va être le cas aujourd'hui? On va voir ça tout de suite. Hop, c'est parti. Allez, énergie plante. Oula, j'ai tout spoilé, je crois. Non, enfin, pas tout, parce qu'on n'a pas vu les dernières cartes. Mais on a vu les premières. Gourmelet. Charbanbin. Poulpaf. Fragoin. Hop, pardon, pardon. Clove. Colossinge. Un petit Bagigan. Et oh, on aura une belle carte là. On a. Oh, le Gardevoir ex! Eh bien, c'était celle-là qui nous manquait. Mais parfait! Parfait! Ah, top! Top, top, top! Et pas de doublé, même si j'aime bien ce gros magot, c'est pas ce qu'on veut. Écoutez, c'est pas le meilleur cadrage, quoique elle est pas si mal. Elle a un petit jetard là-haut quand même. Dès l'ouverture, ça fait mal aux fesses. Mais bon, c'est comme ça. Mais tant pis, ça va quand même compléter la collection. Magnifique Gardevoir ex. Ah ben voilà, ça c'est de la jolie carte. Et ben rien que pour ce petit Gardevoir, ce bundle est intéressant. Voilà, ciao ciao, à demain pour la partie 2.